Au fait, tu reprends un petit peu de café? Ah, non, non, merci, ma chérie. T'aurais pu. Apparemment, Sabine n'est pas rentrée de la nuit. Oui, je me demande où elle a bien pu passer. Hein. Bah, si vous voulez savoir, à mon avis... À mon avis, aussi. Ouais. Bon, allez, si on parlait d'autre chose. Mmh. T'as raison. Au fait, Karen, ton petit déjeuner, délicieux. Ah, ça me fait super plaisir, ce que tu me dis là. Ça, c'est vraiment mignon. Mais alors, c'est dommage, Claire, parce que toi, t'as presque rien mangé. D'ailleurs, t'as même pas goûté mes œufs au jambon. Tu sais bien que je mange plus de viande. Oui, mais... Mais t'as tort, hein, les œufs au jambon, c'était une pure merveille. Oui, certainement. Mais moi, quand je pense au petit cochon qu'on a séparé de sa mère, quand j'imagine le geste du boucher qui lui a enfoncé le couteau dans la gorge, le sang qui a giclé, est-ce qu'a ressenti la truie en recevant le sang de son petit cochon dans l'œil. Oui, d'accord. Écoute, Claire, c'est pas parce que t'es devenue végétarienne qu'il faut absolument dégoûter les autres. Hein? Bon, d'accord, je dis plus rien, puisque tout le monde est contre moi. Mais non, enfin, c'est pas que tout le monde est contre toi, mais enfin, arrête de raconter des choses aussi horribles. C'est épouvantable. Pourtant, c'est la triste vérité. Bon, allez, je vais aller méditer un peu. Ah ben voilà. Qu'est-ce qu'il a, Marc-Antoine? Il se met à pleurer, je comprends pas. Pourtant, il a bu tout son biberon tout à l'heure. C'est normal. C'est de la télépathie. Dès que je m'apprête à méditer, il le sent et il braille. Mais moi, dès que je me couche, c'est pareil. Il doit avoir un sixième sens, cet enfant. Enfin, vous allez le laisser tranquille, ce bébé? Il pleure, c'est normal, ça pleure un bébé, c'est tout. Vraiment, aussi inhumain, toi t'appelles ça normal? C'est inhumain, enfin c'est des pleurs d'un bébé, c'est tout, enfin y a rien de plus normal. Enfin moi je me souviens pas que Vincent pleurait comme ça. Oui d'accord, pour Vincent il est formidable. Bon, de toute façon je monte et puis je vais lui faire prendre l'air à Marc-Antoine. Oh, attends, moi aussi je viens avec toi. Oh là là, il paraît que Lausanne c'est super calmant, mais tu vois, il y a des jours où moi ça me tape littéralement sur le système. Je ne réagirai pas à cette provocation, je suis cool. Mon petit bébé, adorable, je vais aller te faire faire une balade. Je suis prête. Ah ben, c'est bien, alors on y va. Okay. Allez, Steph. Marc-Antoine. Oh, attention. Oh là, Sabine, qu'est-ce qui se passe? Chut. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Sabine? Je vous expliquerai plus tard, mais s'il y a une femme qui me demande, vous dites que je suis pas là, d'accord? D'accord, oui. Mais quel genre de femme? De genre jalouse, enfin, tu vois ce que je veux dire? Jalouse est probablement dangereuse. Comment ça, dangereuse? Ben, son mari m'a dit qu'elle se promenait avec un 6,35 dans son sac. Hein? Oh là là. Un 6,35? Oh, quelle horreur. Et elle sait que t'es là? Ben oui, son mari vient de me raccompagner, on s'est aperçu qu'elle vous avait suivi. Oh là là, ça veut dire qu'elle sait où t'habites? Ben oui. Oh, mais non, c'est pas vrai, ça. Tu t'es encore mis dans une histoire. Oui, bon, ça va, hein. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Bim, bim, vas-y. Oh là là. Oh là. Bon, bah, on ouvre. Claire, tu jettes un œil sur Marc-Antoine, hein. Verse-le. Faire gaffe, quand même, hein. Bonjour, qu'est-ce que c'est? C'est le cabinet Malois Conseil. Ah, non, là, je suis désolée, mais vous venez de faire erreur parce que c'est juste la porte à côté, vous voyez. Excusez-moi. Ah ben, je vous en prie, monsieur, c'est pas grave. Hé, hey, Sabine, ça va, tu peux redescendre, c'était pour Marc. Ouais, viens. Donc, récapitulons, cher monsieur. Vous avez donc raccompagné une amie chez elle, et là, vous vous êtes rendu compte que votre femme vous avait suivi. Exactement. Oui. Est-ce que vous êtes sûr que votre femme vous a reconnu? C'est ma femme, elle me connaît bien. Évidemment, évidemment. Qui vous a donné l'idée de venir me demander conseil? Je savais plus quoi faire, et puis quand j'ai vu votre plaque, la marque Malois Conseil, je me suis dit que... Vous savez que vous avez de la chance que je vous reçoive immédiatement. D'habitude, je ne reçois que sur rendez-vous. Vous comprenez, je suis débordé. Je peux bien faire une exception de temps en temps. Merci. Évidemment, les tarifs ne sont pas les mêmes. Ah oui, évidemment. Oui. Évidemment. Enfin, c'est pas grave, vous pourrez payer en plusieurs fois. Donc, c'est sur ce problème que vous désirez un conseil. Ben oui. Et quel genre de conseil désirez-vous exactement? Ben, je sais pas. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, je vois ce que c'est.
Vous êtes complètement perdu. Vous avez besoin d'un conseil global. Ben oui. Évidemment, ça va faire monter encore l'addition, mais enfin ça, c'est votre problème. Êtes-vous encore amoureux de votre femme? Plus tellement, non. Ah. Oh. Vous comprenez, ça fait 15 ans qu'on est mariés, alors. Ah oui. Oui, tout passe, tout casse, tout lasse, sauf les glaces, quoi. Ça. Les glaces? Ah, c'est un slogan publicitaire que j'avais inventé il y a quelques années. Donc, si vous n'êtes plus amoureux de votre femme, pourquoi vous la quittez pas? Bah, parce que je veux pas lui briser le cœur. Mais elle est tellement amoureuse de moi. Vous savez, les femmes, il faut pas hésiter à leur briser le cœur. Elles se gênent pas avec nous. Ah oui, mais les femmes, c'est pas pareil. Elle est vraiment amoureuse de moi, vous comprenez? Non, je comprends pas. C'est vrai qu'avec les femmes, faut s'attendre à tout. Mais elle est tellement amoureuse de moi qu'elle est d'une jalousie maladive. Ah, je vois. Ma vie est devenue un enfer, vous comprenez? Comme je suis plus amoureux de ma femme, ben j'arrête pas d'aller voir ailleurs. Puis comme elle est d'une jalousie maladie... Je vois, le cas est complexe. Vous vous rendez compte? Elle se trimballe toujours avec un 6,35 dans le sac. Mais imaginez qu'elle tombe sur une de mes maîtresses. Ça ferait désordre. Je peux faire la poussière, mon petit Marc? Oh, bonjour, monsieur. Bonjour. Thérèse, oui? Vous voyez bien que je suis en pleine consultation. Oh, pardon. Alors, je suis cachée, hein. Personne ne me voit. Donc comme ça, monsieur, vous êtes certain de ne plus aimer votre femme? Oui, absolument, oui. Alors je ne vois qu'une seule solution, vous devez divorcer. Ah, vous croyez? Ah ben je crois pas, j'en suis sûr. Ah oui, mais si ma femme ne s'en remettait pas, si elle faisait une bêtise, souvenez-vous, elle a toujours un 6,35 dans le sac. C'est bien pour ça qu'il faut la quitter d'urgence. Marc, mais vous n'avez pas le droit de dire une chose pareille? Ah ben je sais ce que je dis. Vous croyez que je devrais rester avec ma femme, madame? Ah, oh bah tout de même! Divorcer après 15 ans? Enfin, Thérèse, c'est moi qui suis expert conseil! Alors? Écoutez, Marc, là, il s'agit simplement d'une question de savoir-vivre. Bah, taisez-vous! Alors, vous divorcez, c'est décidé. Ah non, vous restez avec votre femme. Taisez-vous! Ah, Marc, je ne sais pas ce que vous avez là, mais vous me décevez terriblement. Alors, Thérèse, je vous interdis de me parler sur ce ton devant mes clients. Est-ce que vous m'avez conseillé une seule fois de divorcer, hein? Vous croyez peut-être que je suis heureuse avec Monsieur Pichardeau? Est-ce que j'ai la tête d'une femme qui est heureuse avec son mari? Non. Ah! Vous voyez? Alors je perds ma jeunesse avec un homme qui n'est pas fait pour moi. Et est-ce que vous m'avez suggéré une seule fois de divorcer? Jamais! Mais Thérèse, si vous avez un conseil à me demander, vous savez où me trouver? Oui. Bon. Vous, excusez-moi, j'ai deux mots à dire à ma collaboratrice. Venez ici. Venez ici. Un, deux, cinq, 23, 24. Voilà. Ça. Bonjour, mademoiselle, vous désirez? Bonjour, monsieur. Juste un petit renseignement. Mais bien sûr, mais je suis à votre entière disposition. C'est pour une inscription. Ah non. Ah bon? Marquez, on dit ça, mais il faut visiter. Bah, c'est comme ça qu'on se rend compte de ce que l'on perd. Croyez-moi, il y a des gens qui rentrent ici par hasard et qui ressortent tout éblouis. Faites-moi confiance. Non, mais moi, c'est quelque chose d'un petit peu particulier. Mais tous nos clients ici sont un petit peu particuliers. Croyez-moi, je vais vous faire visiter, vous allez voir. Ah, écoutez, monsieur, je suis juste... Savez-vous que vous êtes dans l'établissement de Monsieur Laplace? Connaissez-vous Monsieur Laplace? Non, monsieur, je... Vous ne connaissez pas Monsieur Laplace? Mais Monsieur Laplace, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Bah, c'est mon patron. Oh, croyez-moi, des patrons comme ça, on n'en fait plus. Non, mais faites-moi confiance. Venez, je vais vous... Écoutez, monsieur, vous connaissez cette personne? Bah oui, c'est... Bah, c'est-à-dire que... Mais d'où sortez-vous cette photo? C'est la maîtresse de mon mari. Ah, oui, bien sûr, c'est sûr que... Vous la connaissez? C'est-à-dire que, en fait, non, hein? Ah, bah non! Mais qui c'est? Je sais que cette fille habite l'immeuble. Ah oui, bah oui, mais l'immeuble est grand aussi, on connaît pas tout le monde, hein? Vous l'avez trouvée où, cette photo? Dans le portefeuille de mon mari. Ah oui, bien sûr. Mais elle s'est peut-être glissée comme ça, par hasard aussi, non, hein? Non, je crois pas. Ah, bon. Surtout que j'ai vu mon mari raccompagner cette fille jusqu'à l'immeuble. Ah oui, Oui. Bon, écoutez, oui. Si vous ne la connaissez pas, est-ce que je peux aller jeter un œil, voir si elle n'est pas dans votre salle? Oui. Ça ne vous dérange pas? Ah non, bien sûr. Seulement, je peux vous garantir qu'elle n'y est pas, hein. Si vous ne la connaissez pas, elle a pu passer sans que vous la reconnaissiez. Je préfère aller voir, hein. Oui, merci. Merci, c'est... Pardon. Ah oui, mais... Mais attends, c'est pas... Message. Ah, salut mon Gérard, ça va? Bonjour. En fait, t'as l'air en pleine forme, toi, ce matin. Ça va.
Mais qu'est-ce que c'est? Je crois. Ne t'inquiète pas comme ça. C'est Marc-Antoine. C'est Marc-Antoine. Ben oui, mais ma fille de 7 heures aussi. Dites les filles, il y a une femme qui est rentrée. On me montrait une photo de Sabine. Elle l'aurait trouvée dans le portefeuille de son mari. Vous comprenez, moi, j'ai rien dit, mais enfin, tout de même. C'est pas vrai. Gérard, faut qu'on te dise. Cette femme, elle est armée. Quoi? Oui, elle a un 6.35. Et alors, elle est où? Mais elle est dans la salle. Voilà. Mon chéri. Qu'est-ce qu'il y a? Les filles, elle a disparu, elle était dans la salle, il y a un instant, elle n'y est plus. Oh là là, il y a peut-être quelqu'un qui l'aurait renseigné. Bon, faut absolument prévenir Sabine. Oh bah oui. Bon, j'y vais. Ah bah écoute, je te suis. Bon, Gérard, t'as un amour, tu gardes Marc-Antoine, là, tu fais, tiens, prends le biberon. En plus, ça va être l'heure de son biberon, tu fais bien attention à lui, hein. Oui. Mais tu comprends que je peux pas l'emmener, hein, ça risque d'être trop dangereux, je compte sur toi. Hein. Ah oui, mais les filles, soyez prudentes, hein, parce que, hein. Non, mais t'inquiète pas, hein. Mais c'est vrai, tout est possible avec une femme jalouse. Mmh. Elle peut même avoir un 44 Magnum. Oh là là, faut y aller vite. Bon, tu gardes Marc-Antoine. Hein, tu es sage avec tonton Gérard, mon amour. Hein. Viens, Steph. Tiens, tout à l'heure, mon chéri. Monsieur? Qu'est-ce qui vous arrive? Tu sais que t'exagères, Sabine. Va falloir que tu te calmes. Hein. Non, mais c'est vrai, les filles, on va pas passer notre vie à réparer ces bêtises, non? Oh, mais ça va, hein? Ça m'arrive pas si souvent que ça. Quand même. Mais je vous ai dit, je savais pas qu'il était marié. Tu parles, ça aurait changé quelque chose? De toute façon, c'est la dernière fois que je le vois. Ça fait 24 heures que je le connais et il m'énerve déjà. Ah bon? Alors autant arrêter les frais tout de suite. Mais nous, t'as pensé à nous? Quoi, vous? Je vois pas ce que vous venez faire dans cette affaire. Ah bon? Tu vois pas ce qu'on vient faire dans cette affaire? Ça, c'est la meilleure. Eh ben, imagine qu'elle nous prenne pour toi, hein. Alors, moi, personnellement, je te signale que j'ai pas du tout envie de mourir descendue par un 6.35. Merci. Oh, ça, moi non plus. T'es complètement inconsciente, ma pauvre fille. Puis alors, en plus, Sabine, je te rappelle qu'une femme jalouse, c'est capable de tout. Et d'après Gérard, elle a même ta photo, hein. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que je peux faire, moi? Non, bah, de toute façon, t'inquiète pas, tu sais très bien qu'on va pas te laisser tomber. Non, mais seulement tu nous jures de plus jamais recommencer, Sabine. Oui, c'est juré, je vous ai dit que je le verrai plus. Bon, bah voilà, ça c'est déjà une bonne chose. Ouais, enfin, au moins comme ça, elle a sa photo, nous, on risque pas de se faire descendre par erreur. Sympa, hein? Non, mais de toute façon, écoute, t'inquiète pas pour ça, tu sais très bien que Gérard est en train de la surveiller, alors si jamais elle monte, il nous appelle. Sabine, vite, cache-toi, cache-toi dans la cuisine. Bon, les filles. On fait comme si on était au courant de rien, d'accord? D'accord. Si j'ai bien compris, là, c'est moi qui vais ouvrir, c'est ça? Mais c'est pas elle, Gérard nous aurait téléphoné, tu sais. Merci, les filles, allez, j'y vais. C'est curieux, c'est un homme. Oh, ça va, on peut ouvrir. Oh, vous? Oui. Ben, vous êtes sûr, je... Ouais, j'ouvre. Bonjour. Bonjour. Je suis bien chez Sabine? Oui, oui. Elle est là? Bah, c'est... Sabine, il y a quelqu'un pour toi. Jean? Qu'est-ce que tu fais là? Sabine, je voulais te dire. Je veux absolument te revoir. Mais t'es fou, ta femme est dans l'immeuble. Plus pour longtemps. Ah bon, tu l'as convaincue de partir? Non. Mais elle est plus ma femme pour longtemps. Je divorce. Alors, vous l'avez vu? Non, mais je resterai le temps qu'il faudra. Ah oui, bien sûr, c'est seulement ici. Mais les clients viennent pas très régulièrement, faut dire, hein. Il y en a même qui disparaissent pendant des semaines. Écoutez, je vous ai dit que ça me faisait rien, je resterai le temps qu'il faudra. Okay. Alors, qui je vous comprends, hein. Ça doit pas être agréable de retrouver la photo d'une autre femme dans le portefeuille de son mari, ça. Vous n'allez pas faire de bêtises, moi. Hein? Mais non, je vous ai dit que je voulais simplement lui parler. Mais juste lui parler, hein, c'est promis. Mais oui, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je lui tire dessus avec un 6.35? Non, surtout pas, non, n'y pensez pas. C'est... Bah écoutez, je retourne faire un tour. Oui, c'est ça, c'est... Prends-toi. J'en suis là. Eh bien, Marc-Antoine,
Hein, papa, qu'est-ce qu'il dirait, monsieur le président Tordet? Voilà, voilà. Elle fait un gros dodo. Voilà, sois raisonnable. Voilà. Ben voilà. Salut, Gérard. Oh, ben, c'est affreux. Moi, ça va très bien. Hein? Tu sais que mon cabinet conseil marche de mieux en mieux. Ah, oui, mais c'est seulement au courant pour Sabine. Ça fait plaisir. Quoi? Ça fait très plaisir quoi? De voir que quand on parle de soi aux gens, ça les intéresse pas. Mais non, Narcisse, c'est pas ça, c'est tellement... Et moi? Je suis dans la gadoue jusqu'au cou, Gérard. Je nage dans une piscine de dettes. Je réussis à m'en sortir à la force de mon poignet, à la sueur de mon front, aux ressources de mon cerveau. Je viens me confier à mon ami et lui me parle de Sabine. Mais non, mais pas mal, Narcisse, c'est pas ça. Seulement Sabine est en danger. En danger, bien sûr. Mais si je te le dis, écoute... Et moi, je suis pas en danger. J'ai 3 mois de loyer de retard, 3 mois. Évidemment, je dis, c'est pas grave. Marc, il va s'en sortir. Marc, il va pas aller pleurnicher partout. C'est Marc. Non, mais c'est seulement Marc, écoute. Sabine est poursuivie par une femme jalouse. Et alors? Moi aussi, ça m'arrive d'être poursuivi par des femmes jalouses. Oui, alors si à chaque fois, je devais faire des histoires. Non, mais c'est pas ça, c'est seulement la femme qui poursuit Sabine. Elle est peut-être armée, tu te rends compte? On s'entretue pas pour une simple histoire d'amour, Gérard, simplement parce qu'on couche de travers. Mais non, mais c'est pas ça, c'est seulement cette femme a surpris son mari qui déposait Sabine en bas de l'immeuble. C'est pour te dire, elle avait suivi, pas, tu te rends compte, toi? Hein? Elle a surpris son mari qui déposait Sabine en bas de l'immeuble. Comme je te le dis. Non, Gérard, ce serait pas le type que j'ai eu en consultation? Attends, tu veux dire que t'as conseillé son mari? Oui. Attends. Non, t'inquiète pas. Ouais. Il n'y a plus de danger. Ah bon? Ah bah non, il va divorcer. Hein? Mais comme ça, Sabine, dans quelques mois, sera tranquille. Mais on peut pas attendre Didier d'ici là, Marc, c'est pas possible, faut faire quelque chose maintenant. Comment ça, on peut pas attendre? Mais non. Vous êtes incroyable. Je vous apporte une solution sur un plateau, et vous, vous dites que j'ai pas encore été assez rapide. Mais non, mais c'est pas ça, Marc, mais quand l'autre va apprendre que son mari veut divorcer, mais mon pauvre, mais ça va être un vrai carnage ici, une boucherie, je te dis. Pourquoi? Mais pourquoi, Marc, tu sais, c'est comme ça. Bon, elle est où, cette fille? Moi, je vais te la montrer, mais viens. Oui, c'est elle? Oui. Alors, tout à l'heure, c'est qu'elle m'a fait peur. Elle avait disparu, en fait, elle était cachée dans la salle des yeux. Gérard, je sais ce qu'on va faire. Quoi? Moi, je remonte. Oui. Toi, tu me l'envoies en consultation. Hein? Mais comment tu veux que je l'envoie par la poste? Mais tu te débrouilles. Hein? Pour une fois, tu fais preuve d'initiative. Oui, mais tu vas tout expliquer. Bon, alors, fais marcher la machine. Marc, non, ce serait peut-être mieux que tu ailles la voir toi directement. Ce serait mieux, je pense aussi. Et puis quoi encore? Hein? Et mon code de déontologie, tu l'oublies? Je vais pas racoler mes clients au bar. Non, mais... Tu te débrouilles, Gérard. Non, mais je te dis pas de racoler. Marc, Antoine. Bonjour, madame. Bonjour. Je suis bien chez monsieur Marc Mallois. Oui. Vous avez rendez-vous? Thérèse, vous voyez bien que madame est dans l'urgence. Entrez, je vous en prie. Marc Mallois, conseil en tout genre. Thérèse, laissez-nous. Pardon. Asseyez-vous, je vous en prie. Dites-moi tout. C'est-à-dire que je ne comprends pas très bien. C'est le monsieur de la salle de sport. Vous voyez, le garçon un peu... Enfin, un peu... Ah oui, vous parlez de Gérard. Oui, c'est ça. Je crois qu'il s'appelle Gérard. C'est lui qui m'a dit qu'il fallait que je monte vous voir d'urgence à propos de mon mari. Ah, il vous a dit ça comme ça, directement? Décidément, il manque pas de délicatesse, celui-là. Enfin, bon, monsieur, je ne vois pas vraiment ce que vous pouvez faire. De toute façon, je suis au courant que mon mari a une maîtresse. Comme vous y allez. Votre mari a une maîtresse. C'est peut-être simplement une amie. Juste une bonne amie. Mon mari n'est pas du tout le genre à avoir des bonnes amies. Je le connais. Vous savez, chez tout homme, il y a de multiples facettes. Non. Pas chez mon mari. Je suis sûre qu'il me trompe. Bon. Admettons qu'il vous trompe. Je dis bien admettons. C'est une simple supposition. Et alors? Non, mais monsieur, j'espère que vous plaisantez. Vous supposez que j'accepte que mon mari me trompe. Et vous dites, et alors? Non, vous énervez pas. Je ne m'énerve pas, je prends mon poudrier pour me repoudrer le nez, c'est tout. Attends. Vous savez, dans la vie, chère madame, il faut regarder la vérité en face. Mais c'est bien ce que j'ai l'intention de faire. Vous pouvez pas en vouloir à la maîtresse de votre mari. C'est ce que vous pensez, vous? Ben oui. Vous n'énervez pas! Mais qu'est-ce qui vous arrive, vous? Je remets mon poudrier dans mon sac. Non, c'était une plaisanterie. Écoutez, monsieur, je crois que j'ai assez entendu de plaisanteries pour aujourd'hui.
Alors, excusez-moi, mais je dois partir. Il faut absolument que je retrouve la maîtresse de mon mari. Madame, madame, vous n'allez pas faire une bêtise. Une bêtise? Pourquoi est-ce que vous dites que c'est une bêtise? Non, mais je sais, c'est terrible. Vous êtes mariée depuis 15 ans, c'est affreux, vous apprenez que votre mari vous trompe. Terrible. Je vous en prie, gardez votre calme. Mais je suis calme, je n'en ai pas l'air. Si, 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 bien sûr, bien sûr. Je suis ravie de vous l'entendre dire. Bon, bien, j'y vais. Madame, vous ne pouvez pas tirer sur un être humain. Tirer sur un être humain? Ah, vous pouvez pas, c'est inhumain. Qui vous parle de tirer sur un être humain? Vous voulez pas abattre la maîtresse de votre mari avec un 6.35? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah ben, je sais pas, je croyais. Non, mais c'est complètement ridicule. Mais alors, pourquoi vous voulez voir la maîtresse de votre mari? Pour lui dire qu'elle peut le garder. Ah, c'est pour ça que vous voulez voir c'est pour ça que vous voulez voir la maîtresse de votre mari, pour lui dire de le garder. Ben oui. Vous comprenez, après 15 ans de mariage, j'ai fini par me lasser. Alors, si elle était d'accord pour m'en débarrasser... Ah, c'était ça? Ben oui. Vous êtes marrant quand vous faites cette tête-là. Ah, vous trouvez? Oui, vous faites rire. Marquez. Vous êtes mignonne aussi. Ah oui? Oui. Et je me demande comment un homme peut oser tromper une femme telle que vous. Franchement. Vous me flattez, vous savez. Oui. Bon, je te dis que c'est fini, tu comprends? On s'est rencontrés hier. Tu peux pas me faire ça. Eh si, tu vois. Et puis, je quitte ma femme. Eh bien, justement, un homme marié, c'est rigolo, mais un célibataire, quelle horreur! Sabine, dis-moi la vérité. Tu as quelqu'un d'autre dans ta vie? En plus, t'es jaloux. Je déteste les jaloux, c'est collant et ça empêche de vivre. C'est une preuve d'amour. Écoute, quand c'est fini. J'ai été ravie de te rencontrer. Je serai tout aussi ravie que tu t'en ailles. Cette fois, j'en suis sûre. Il y a quelqu'un d'autre. Bon, tu vois que t'es jaloux? Allez, maintenant, ça suffit, va-t'en. Non, je veux pas partir. Oh là 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 là, mais ça va! Les filles, vous venez m'aider à l'éjecter? D'accord. Viens. Allez, hop! Allez, debout, 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 debout. Oui, je vous signale, jeune homme, que la porte, c'est là-bas. Là-bas. Bon, bon, ça va. Ça va, j'ai compris. Oui, oui, oui. Adieu, hein. Ah, ben ça alors. Vous êtes vraiment de très bons conseils. C'est gentil. Aline! Je vous l'avais dit, les filles, c'est un jaloux. Je vous explique. C'est pour ça que vous me disiez divorcer, hein? C'est vrai. Jean!